Eh bien salut tout le monde, c'est Iris, qu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Ark Extinction. On va encore une fois avoir l'occasion de se faire victimiser par des dinosaures, donc ça va plutôt être génial. Du coup je vous propose qu'on continue et qu'en même temps que je vous papote un petit peu de ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer à farmer. Alors par contre il y a des scorpions qui arrêtent pas de se balader depuis tout à l'heure, donc on va pas rester trop proche. Alors continuer notre let's play, peut-être même plutôt commencer. La dernière fois, on avait surtout exploré la map. Alors aujourd'hui, ce que j'avais prévu, c'est que même si je compte m'installer du coup dans le biome forêt, je me dis en fait, on a vu donc la partie basse de ce biome. Ouais, c'est quoi le truc là-bas? On a vu la partie basse de ce biome. On a vu aussi l'entrée, mais je sais pas quelle distance il y a entre la partie basse et l'entrée. Du coup, ce que je me dis, c'est que je vais m'installer, enfin, faire une petite installation. Voilà, une sorte d'épée plantée dans... Enfin, une sorte de... d'Excalibur, c'est ça, je crois. Ok, pourquoi pas, c'est sympa. Ok, il y a un truc de mort, là, déjà. Or, ce truc-là, je crois que ça tue les dinos, en fait. Mais je crois que pour nous, c'est tranquille. Si on peut le dépecer, ce serait cool. Alors on va essayer de casser un peu. Hop, voilà. Du coup on va s'installer là, au moins le temps de d'apprivoiser par exemple qu'est-ce qui manque? Du silex. Et pour l'autre il manque quoi? Attendez. De la pierre. Ah. Du caillou. Le fameux. Voilà. Hop, nickel. Du coup voilà, au moins le temps d'apprivoiser un... Comment ça s'appelle? On va le dépecer avec ça. Oh putain, il m'a fait peur. Je sais que c'est pas méchant, mais ça fait flipper quand même. Comme ça on aura un peu de viande. Alors ça c'est bien. Enfin bah un peu, on a même carrément beaucoup. Au niveau ça, on peut les craft en fait, de ce que j'ai compris. Donc alors, ah bah nickel, hop, une pioche, j'en avais pas. On va piquer les deux autres aussi, parce que on va me piquer, on va tout piquer, tu sais, on a besoin de tout en début. Tech Raptor, hop, on en profite. En fait, faut rester à côté d'un truc comme ça, en fait. Comme ça, ça peut vous protéger, limite, au début. On va vraiment s'installer en vrac. Au moins, comme je dis, voilà, histoire de pouvoir apprivoiser un pternodon. Une fois qu'on aura un Ptera, on pourra justement évaluer la distance qu'il y a entre... Alors là il y a un truc mort aussi, je vais essayer d'aller le dépecer. Donc pour pouvoir au moins voir la distance entre l'entrée de la grotte et la fin. Par contre, ah oui, il faut un endroit où il y a de l'eau. Oh ouais, non, par contre là ça va être chaud. Il n'y a pas d'eau là. Oh, ça a l'air vénère là en bas. Il nous faut absolument de l'eau là. Aïe. Donc voilà, c'est presque ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous dis clairement pas qu'on va apprivoiser un Ptera aujourd'hui, hein, mais au moins ça c'est notre objectif pour le moment. Donc si vous me voyez pas pour l'instant, me diriger vers un endroit. Je crois qu'il y a un scorpion derrière moi. Non, même pas. Ah mais ça t'a grand à tous les dinos en fait, ces trucs là. Donc le truc voilà, c'est qu'on va essayer de trouver de la flotte déjà, sinon ça va être problématique. Voilà. Je pense que d'ici au prochain épisode, je fermerai un petit peu de mon côté. Même si, je vous avoue, j'ai multiplié le... Ok, salut. J'ai multiplié l'XP et un peu le farm et tout parce que je suis toute seule en fait. Si j'étais avec d'autres gens, je l'aurais peut-être pas forcément fait. Mais là, c'est sinon ça va vraiment durer trop longtemps et ça va mettre trop de temps à farmer. Et moi, j'ai pas 8 heures à mettre chaque jour pour farmer quoi. Ah, j'ai la torpeur, ça c'est pas cool. Où est-ce qu'elle la flotte?
Ouais, ça va être problématique là. Je peux pas mourir comme ça quand même. Et un dodo. En plus, c'est bien, j'ai de la viande, j'ai des haches, des pioches. Je pourrais être pas mal, mais. Alors, y a un truc qui s'enfuit, c'est pas forcément bon signe. Il y a de l'eau là-bas par contre. Oh, il y a des araignées, il y a des araignées, il y a des araignées. À l'aide, à l'aide, à l'aide. On va essayer de se rendre vers l'eau. Attends, il y a les araignées derrière, quoi. Faut qu'on s'installe vers de la flotte déjà. Alors, il y a une fontaine, enfin une cascade fontaine, vous voyez ce que je veux dire. Ok, nickel. On va essayer de s'installer par là. J'imagine, ok, j'imagine, oui, c'est la musique, d'accord, ok, ça m'a fait peur, j'ai cru que les araignées m'avaient. J'ai réussi à m'aggro, alors, ah, alors peut-être, si on peut s'installer là-haut, ce serait pas mal, comme ça on sera un petit peu en hauteur. Enfin, quand je dis s'installer, c'est vraiment trois fois rien, mais. Alors, il nous faudrait du bois, il faut du bois. Taper tout ce que je vois, j'ai rien à faire. Prendre du plus de stam. Gagner un peu de tastam. Voilà. On va prendre un peu de cristal. Comme ça, si on peut faire une longue vue plus tard, ce serait nickel. Ah ouais, c'est vraiment la misère. Il faut combien de cristal pour faire une longue vue? Une longue vue. Deux cristal, pile poil. On va faire des lits aussi. Ouais. Ah, puis ensuite. Ensuite, on verra. On verra. Bon. Ah oui, mais je suis full. Alors, on va craft une longue vue. On va craft un feu de camp. Il manque quoi? Du silex. On va faire un sac de couchage. Ça coûte quoi? Vas-y, un sac de couchage. Un mortier. Allez, c'est parti. On craft tout ce qu'on peut. On va mettre la longue vue, je la mets où? On va mettre là. Allez, craft-moi ça. C'est toujours aussi lourde. On va faire. J'ai pas envie de faire des fondants en tête. Je vais en faire deux juste pour dire que. On va vite remplacer ça par du bois. Heureusement que l'eau elle est pas loin parce qu'on a. Bon, je vais crafter une caisse, ça me saoule. Allez, craft-moi une caisse. C'est bon, là ça va bien réduire normalement, non? Absolument pas. Qu'est-ce qu'on peut jeter? Qu'est-ce qui pèse l'eau en fait? On va jeter un peu de viande, on en a trop. Ça sert pas à grand-chose. Ah merde, j'ai jeté la peau. En fait, je suis tellement habituée à ce que. Sur les autres maps, j'ai tellement de peau. J'ai beaucoup trop de peau en fait, et ça me sert à rien. Du coup, j'en jette des tonnes et des tonnes. Mais il faut pas que j'oublie qu'ici j'ai rien et donc il va falloir que je fasse attention à ce que j'ai en fait. Alors on va aller voir si on peut s'installer là-haut, si c'est un petit peu plus tranquille. Qu'en bas. Il y a un tapis de Jara là-haut. Mais déjà, bah, l'objectif là c'est d'avoir un petit bras hein, parce que un volant c'est quasi obligatoire, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas l'air d'avoir de bestioles. On va pas monter trop haut parce que vu que l'eau est juste en bas, faut quand même que on puisse être tranquille. Alors on va mettre nos fondas, notre caisse, le mortier et le truc. Alors si on peut poser ça direct au sol, nickel, on va mettre là, hop. Qu'est-ce qu'on peut. En fait, on peut tout poser au sol en fait. Même ça. Ah non, ça fait une fondation. Ok, on va la mettre là. Hop. On va mettre nos deux trucs, on s'en fout. Mortier pour pouvoir faire les narcos plus tard. On va mettre de même côté que le reste. Voilà. Alors, on va ranger. Ah oui, alors attendez, il nous faut notre feu de camp. Ok, alors, on va. Allez chercher de quoi faire un feu de camp. Alors, on peut. Oh, je sais pas si ça se casse ça. On va prendre la pioche.
Voilà, on va prendre. J'ai déjà soif. Ah ouais, c'est horrible quoi. Oh, on a soif tellement vite. C'est chaud. C'est extrêmement chaud là. Bon, il y avait des araignées pas loin, on va faire gaffe. Il y a un dodo qui est décédé. Il y a un autre dodo. Bon, nous ce qu'on veut de toute façon pour l'instant c'est du caillou, donc du caillou, du silex. Alors est-ce que j'ai assez pour faire au moins un feu? Il me faut un peu plus de pierre pour en faire un deuxième. Ou en faire deux. Ce sera tranquille. Ok. Donc ça déjà c'est pas mal. On va faire de la viande cuite déjà. Au moins là on aura une base un petit peu solide. Ensuite il nous faut absolument un atelier parce que sinon on va pas aller loin. Donc ah mais la soif elle sent à une vitesse. Oh, j'ai monté de niveau comme ça je vais pouvoir avoir alors du poids, un peu d'énergie et un peu de corps à corps aussi. Alors au niveau de 14, alors au niveau de 10 j'ai vu qu'on débloquait. Alors ça c'est quoi? Ok donc ça doit être un nouveau truc qui est avec... Enfin c'est forcément un truc qui est avec aversion mais... taxidermiste. Alors je sais pas à quoi ça sert pour l'instant donc on va pas prendre ça. On va prendre vraiment les trucs de base donc flèche en pierre on en aura besoin sûr. L'arbalète c'est beaucoup plus loin. Les trucs en bois pour l'instant c'est pas notre priorité. Donc on va faire... Ton l'arc on est obligé je crois pour... Bon. Bon. Au pire on va se faire au moins l'arc. Écoutez, ce sera toujours ça de prix. L'arc on peut le faire ici normalement. On va faire un arc. Alors, on va déjà mettre notre feu. Non mais en fait j'ai déjà soif quoi. Oh, horrible. Bon on va placer nos deux feux de camp. On va placer notre arc. Alors l'arc on va le mettre là. Hop. Les feux de camp là. On va déjà mettre les feux de camp. Je préfère habiter en hauteur parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de dinosaures sur les plateformes en hauteur. Donc puis on peut les mettre là. Non, je vais les mettre de l'autre côté quand même. Ça sera un petit peu plus. Bon, appelons-nous. Hop. J'espère qu'il n'y a pas de corrompu par là. Alors que je puisse être tranquille. J'aurais dû mettre mon bois tout de suite. Non. J'aime pas quand ça ne le split pas. Mais c'est par le en deux là. Ah voilà, nickel. Hop, ça et ensuite ça. Alors j'ai déjà soif. C'est une bonne nouvelle. Ouais, j'ai la torpeur qui monte quoi. Et mais la soif c'est horrible hein. Aïe. On va essayer de farm les buissons. Et les baies comme ça va nous faire XP. Ça va, c'est gentil, il n'y a pas de soucis. Ben bois. Non mais arrête avec ton arc là, calme-toi. On va tout ramasser, on veut XP à mort. Ça faudrait que j'en apprivoise un. Il est niveau combien? Niveau 3. Ok, ça va, c'est pas trop... Il faut que j'XP là. Parce que ça va pas être possible. On est bientôt au niveau supérieur. On va crafter des flèches après. On va essayer d'aller tuer tout ce qu'on trouve. À part lui, parce que si on pouvait l'apprivoiser, ce serait pas mal. Niveau supérieur. On va mettre un peu de vie pour l'instant. Alors niveau 15. On a quoi niveau 15? Je vais aller trop loin. Niveau 15. Puisque détresse, on s'en fiche. On a les trucs en cuir, mais ça. Oh, ça. Ouais, si ça coûte un peu. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse. Attendez, j'ai regardé le niveau. Je m'en souviens plus, hein, personnellement, de quel niveau donne quoi. Alors, on a. Les... Ah oui, donc l'atelier et les pioches et tout en métal, c'est niveau 20. Flèche. C'est 21 et l'arbalète voilà c'est 25 c'est pas ce que je disais et le ptera je crois que c'est 30
35. Non, c'est 32 alors. Ouais, non, je sais plus, c'est dans les 30. En tout cas, c'est loin. Ou 38. Bref, c'est dans les 30. Donc, on va galérer un peu. Alors, il me faut des flèches. Comment est-ce qu'on fait des flèches? Est-ce que j'ai assez? Allez, on va tout fabriquer. On s'en fiche. Il me faudrait des fringues aussi. Oui, je vais forcément devoir prendre celle-là en fait pour faire des fringues en cuir en fait. Oh, je vais prendre tous les trucs en tissu. Écoutez, on va commencer par le tissu et puis on verra plus tard. Hop, ah, la gourde. Gourde obligée, on peut plus devoir descendre toutes les 3 secondes. Pour moi, elle sert à rien cette gourde. On peut en faire 45, on va en faire 2. Ça. Hop, les vieux vêtements de merde, hop. Allez, tu me craftes tout ça. Alors, de l'eau. Encore de l'eau. Et on va s'habiller après. Hein. On va déjà remplir les gourdes. Si possible. Non, je me suis trompée. Voilà, comme ça, moi, on aura des gourdes. Et arrête avec ton arc. Tu peux pas sauter? Ah oui, mais elle est en train de craft. Alors. Ok, bon t'as pas moins chaud. Non, elle a absolument pas moins chaud. Enfin, elle a pas l'air d'avoir moins chaud. Bon, on va aller voir si on a de la viande qui est prête. Il y a un serre niveau 4, d'accord. Je précise que j'ai pas augmenté la difficulté du serveur, donc c'est du 0,2. Donc les dinos seront avec des niveaux un peu normaux comme cela. Hein. De toute façon, ça change pas énormément de choses, j'ai envie de vous dire. Donc, hop, on steak. Et 11 aussi. Ah bah nickel. Alors, on va essayer de. On fait ce qu'on peut descendre par ici. On peut descendre. Alors là, il y a une sortie. On va essayer de tuer des trucs. De toute façon, on est obligé là. Alors la source d'eau. Est-ce qu'on y a facilement accès par ce côté-là? Oui. Effectivement. Il y a un autre truc qui a pas l'air très sympa là-bas. Il faut que j'XP, de toute façon. J'essaie de voir si je peux poser des trucs dans mes caisses. Quitte à avoir des caisses et j'ai pas placé ma viande. Quelle noob. Bon, je vais mettre au milieu, même si. Bon, j'y rebougerai plus tard. Pour l'instant, on a l'air d'être tranquille ici. Et comme je dis, ça va vraiment être. Juste pour le début. Alors, on va déposer ça qu'on a en double. Ça également, ça, ça. Le seul métal qu'on a, la chitine, on dépose tous les trucs importants. Pff, les baies, on va déposer un petit peu. La viande aussi. Voilà, hop, et puis écoutez, voilà, c'est pas mal. Alors là, il y a un méca qui est en train de s'attaquer à je ne sais quoi. Oh non, il a pas tué les guanodons quand même. Les mécas, je crois vraiment que ça tue tous les dinos que ça voit. Alors d'un côté, ça peut être bien pour vous, mais d'un autre côté. Attends, on est à côté, on va pas boire notre gourde quand même. Mais d'un côté, le problème c'est que. Merde, c'est parce que. D'un côté, je crois que ça tue aussi vos dinos en fait. Donc, c'est bien, oui, mais. Mais non, quoi. Allez, faut qu'on XP là, faut qu'on trouve des dinos, quoi. Hop, on va prendre l'arbalète. Alors, il y a pas l'air d'avoir. S'il y avait des araignées tout à l'heure, elles sont. Je sais pas si je peux me les faire facile, mais. Je sais pas où elles sont. J'ai pas envie de tuer le cerf, de toute façon, si je peux me le tame pour me déplacer. Par contre, je vous dis tout de suite, je tame pas avant d'avoir eu les tranques, hein, parce que sinon c'est trop chiant. Il y a des ankylos, mais c'est chiant, ça tanque un peu quand même. Il n'y a pas des trucs faciles à tuer. Terra, c'est pas la peine. La soif descend très très vite. C'est assez dingue. Bon, ben, on arrive à s'en sortir à peu près. Alors là, on va commencer à sortir de la ville, donc c'est pas forcément. Une excellente idée, mais bon.
Y a pas un dino quoi, non, y a vraiment que dalle quoi. Bon, on va essayer de voir. Alors là, normalement, il y a des corrompus et tout, donc il va falloir qu'on fasse très très attention. Ah, ouais, d'accord. Ah, il y a le. Il y a ça. Gas bag. C'est assez étrange comme bestiole quand même. Ah, par contre, ici. Ah, ouais, d'accord. Bon, ça va bien se passer. Alors, il y a un. En fait, les fusées qui s'écrasent comme ça, c'est des sortes de caisses de loot. Par contre, j'ai l'impression que quand on est dehors, ouais, ça fait un truc bizarre si on a de ventre. Ok, alors on va revenir tout de suite dans la ville. J'ai l'impression que la ville a un aura qui nous protège un peu. Donc, on va essayer de rester un petit peu, on va dire, à la sécurité de la surface. Par contre, il faut absolument des dinos à tuer pour pouvoir XP parce que là, c'est pas possible. Je peux pas XP à la baie. Pendant une plombe quoi. Ce sont en fait les mechas, ils ont tué les araignées que j'avais trouvées tout à l'heure. Je suis un peu lourde, je vais jeter des trucs parce que comme ça c'est un souci. Pff, les steam bébés. Écoutez, on va en jeter la moitié. On va garder la viande avariée. C'est vrai que j'ai l'habitude de l'acheter par exemple sur Scorched ou autre parce que j'en ai trop et que ça me sert à rien. Mais il faut vraiment que je me souvienne que ici j'ai rien. J'en ai pas de trop ici quoi. Donc techniquement, il va falloir y aller tranquille. Oula, wow. J'ai eu un flash là d'un truc bizarre qui est apparu là-bas. Attendez. Et les mechas, ils font bien leur travail, hein. Pas énormément de bestioles, hein. Ah, accès à l'inventaire. On sait jamais au cas où les miens soient en mauvais état. Ouais, notre gourde elle est déjà vide quoi. Ouais, non, mais c'est horrible. Mais je crois que ça avec vos dinos, ouais, avec vos dinos c'est méchant. Sinon, c'est méchant avec tous les dinos en fait. On va dire que pour vous, ça peut être sympa au début de se promener vers un truc comme ça. Pour être sûr de pas se faire trop tuer à tous les coins de rue, mais une fois qu'on a des dinos. Je crois que c'est ces trucs-là qui se téléportent en plus, donc. On va retourner chercher l'eau. Je suis désolée, hein, on tourne autour du même truc depuis tout à l'heure, mais l'eau c'est. C'est. Ouais, c'est grave quoi. En plus, on a des gourdes de mousse, donc techniquement. Ah ouais, attendez, il faut de l'eau là. Voilà. Bon, j'aimerais bien pouvoir tuer 2-3 trucs quand même. Mais les mechas en fait ils tuent tout. On se passe ça des mechas parce que je sais pas comment les appeler, mais. Sinon, il y a la biche qui est là-bas quoi. Mais elle va se barrer, c'est ça qui est chiant. Moi je veux un truc qui reste. Je suis déjà fatiguée. Ah, en plus, niveau vent, voilà, oh, galère. Y'a pas un. En fait, y'a vraiment rien quoi ici. Y a des bestioles partout, enfin des bestioles, des trucs méca partout là. Oh, mais j'en peux plus. Et la stam, c'est vraiment le truc que je déteste dans Ark. Clairement. C'est toujours la galère en fait. C'est quoi ça? C'est rien, d'accord. Allez, on va grimper là-haut. Est-ce qu'on va trouver plus de choses ici? Pas vraiment. Il est dedans. Ils sont là-dedans. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autre choix que. J'ai pas le choix. Il y a de l'eau là aussi. Tant qu'il y a de l'eau, je m'en fiche, mais. Faut pas que j'aille trop loin de ma base non plus. Oh, c'est quoi? Je vais aller à la hache, je vais pas gaspiller des flèches pour ça. Désolé les dodos, mais. Je trouve rien, quoi. Donc. Techniquement. En fait, c'est assez galère parce que vu que les mechas ils détruisent tout. Ah, j'ai level up. On va y mettre dedans.
La stam, parce que j'en peux plus. Niveau 16, donc ça, je crois qu'on a des nouveaux trucs. Alors voilà, on a le Delivery Crate. Donc en gros, si vous jouez avec d'autres gens, vous pouvez envoyer ce ballon, de ce que j'ai compris, à un certain endroit de la map et du coup, il le récupérera. Donc bon, plutôt cool. Alors, on va prendre la grande armoire. C'est plutôt utile. Mais il faut vraiment le niveau 20 là en fait. Et elle a soif pour changer. Dodo, désolé, viens là. Ah, y a pas un truc là-bas. Ah, mais non, c'est les mechas. Ça. En fait, y a que des dodos, c'est nul. Je peux juste fermer les dodos, quoi. Y a vraiment juste des dodos, quoi. Ah ouais, c'est galère, quoi. Y a vraiment rien d'autre. Y a des pteras, mais les pteras, c'est chiant à tuer. En kilo, c'est relou aussi. Ça, je crois qu'on peut les tuer, mais ça se téléporte et j'ai pas vraiment envie de me faire rect par un robot bizarre. Bon, bah, on va écouter, on va y aller un peu à la baie. Hein. À y être, le temps de rentrer et de poser quelques trucs. On va y aller à la baie. Oui, je suis encombrée en plus. Je peux pas faire une armoire. Alors, une armoire, il me faut du bois. On n'a jamais assez. Alors, attendez, je vais jeter de la viande. J'en ai trop. La viande encore, c'est pas gênant, mais la peau, faut que je fasse attention à pas tout jeter tout de suite en fait. Couper un peu de bois. Mais elle a encore soif, c'est incroyable. Ah non, mais je voulais pas. Non, mais non. On va crafter une grande armoire de stockage. Ah bah, encore ça, on va XP un peu. On va mettre encore un peu dans le poids. Alors, est-ce qu'il y a des trucs niveau 17? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on débloque déjà? Les tuyaux, on s'en fiche pour l'instant. Ça ne nous concerne pas. Ça monte vite. Au pire, je pense que je vais faire, c'est que je vais prendre les fondeurs en bois et puis je vais fermer les fondeurs en bois. Et ça va me faire XP assez rapidement. Je suis désolée si on tourne assez en rond, mais en même temps, c'est le tout début. Et j'aime bien montrer un peu en fait les galères, pas juste montrer que quand on avance, quoi. Faut aussi voir que derrière, ben, il y a beaucoup de temps qu'on passe à pas énormément avancer, mais c'est le jeu, hein, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils me font peur, ces trucs. Ils se déplacent bizarrement en fait. Ils sont pas méchants, mais en fait, ils se déplacent tellement bizarrement qu'ils me font peur, quoi. Le ptéral est niveau combien là? Juste pour voir à peu près. Ok, j'ai complètement perdu de vue. Mais c'est incroyable, j'arrive pas à le choper. Mais je vais y arriver. Hein. Ah ouais, niveau 9, ok. Et mais ça se déplace. Non mais. Je sais que c'est pas hostile, mais vraiment, ça se déplace vraiment de manière assez étrange. Oh mais le farm de baie, c'est tellement horrible. Je vais balancer des baies maintenant que j'ai de la viande. Pff, ça sert plus à rien. Les méjots, peut-être pas par contre, vu que si on tame des dinos, ça peut être utile. Alors, on va aller déposer notre armoire. On va faire un petit peu de bois. Et puis, je pense qu'on s'arrêtera là parce que ça fait déjà un bon moment. Il me semble. J'ai pas trop regardé à quelle heure j'ai commencé. Enfin, je vois à peu près, mais bon. Allez, on va mettre ça à côté. Hop. On va mettre ça là comme ça. Nickel. Alors on va poser dedans. Tac, bois. Peau. Hop. Silex. Je crois que là-dedans, dans la micro-caisse, on va pas laisser les trucs comme ça. On va vraiment laisser le reste, quoi. Voilà, hop. On va regrouper tout ça là-dedans.
Nickel, allez, on va redescendre chercher du bois. La soif descend vraiment trop vite, quoi. Mais c'est horrible. Et notre vieille hache, toute nulle. Putain, mais en fait, j'ai encore beaucoup de poids, quoi. Je peux poser les baies. On va écouter, comme j'ai dit, on va faire les fondas en bois qui coûtent 6, hop, et on va farmer de la fonda et il nous faut de la fibre. Ah, on n'a pas de fibre. Génial. Et je peux plus bouger. Là, on va balancer du bois. Je peux toujours pas bouger. Ah ouais, non, mais c'est chaud, quoi. Oh, le poids, quoi. Mais là, encore soif, c'est incroyable. Et mais... ça me rappelle les débuts de Core Shaders, qu'on avait soif tout le temps, mais littéralement tout le temps. Et qu'on pouvait pas faire grand chose en fait, vu qu'il faisait super chaud. À part être à côté d'une source d'eau. Alors, il nous manquera encore une fois du bois. Level up. Alors, on va mettre un peu de résistance par contre pour le coup cette fois, parce que... voilà, mais là j'ai encore... Comment je fais pour être aussi lourde en fait tout le temps? Qu'est-ce que j'ai de lourd en fait dans... Ah, j'ai les narcos. J'ai encore balancé des baies. Mais j'ai pas énormément de choses en fait quoi. Pff, horrible. Niveau 18, qu'est-ce qu'on débloque? Celle de Raptor. Mangeoire, armoire de conservation. Pff. Ouais, rien de bien intéressant finalement. Et il faut dire que je remonte et en plus je suis lourde. Génial. Bon, je trouve qu'on s'en sort bien. Hein. Franchement, on a notre petit camp là-haut. Donc, non, franchement, je trouve que ça se passe bien. C'est un petit peu n'importe quoi, mais au moins on s'en sort. C'est cool. Je pense qu'entre cet épisode et le prochain, je vais un petit peu fermer de mon côté. Mais vraiment un petit peu, au moins histoire d'arriver au niveau 20 et de pouvoir faire l'atelier. Déjà ça nous avancerait pas mal. Et de faire d'avoir la forge aussi. Comme ça, si dans le prochain épisode je pouvais avoir l'arbalète, ce serait pas mal. J'ai entendu un bruit étrange. Et je crois que sur les passerelles comme celle où je suis actuellement, en fait, il y a... Enfin, peut-être que c'est juste moi, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de dinos. Donc si on peut être au calme ici, ce serait cool. J'ai vu des gens qui avaient pas mal de corrompus sur la gueule, hein, et moi, je trouve que je m'en sors pas trop mal, donc... Elles, on va les stocker pour l'instant. Les baies, on va les mettre là-dedans, parce qu'elles nous servent pas pour l'instant, et elles prennent bien trop de place. Ah, mais j'ai plus de place. Horrible. On va mettre ça, on va mettre ça. Et voilà. Ok, je suis déjà beaucoup moins lourde, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et ben du coup, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que l'épisode a quand même bien un petit peu duré. On a pas mal avancé pour aujourd'hui. Je trouve que bon, il n'y a pas grand chose, mais c'est toujours ça. Je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode, où j'aurai un petit peu avancé de mon côté, histoire qu'on puisse avancer un tout petit peu plus. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play. Bye bye tout le monde.